Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve cette semaine pour une vidéo sur un site internet qui s'appelle Odni. Alors, avant toute chose, je ne suis pas du tout rémunéré, c'est pas un partenariat, absolument pas. C'est juste que personnellement, j'adore ce site internet que j'ai découvert grâce à Franck de Au fil des plantes. C'est un site français, voilà, qui propose énormément, je crois qu'il y a plus de 1000 plantes différentes. Alors, il y a du jardin comme des plantes d'intérieur, mais c'est plus plantes de jardin, enfin d'extérieur. Je n'ai eu l'occasion de commander qu'une seule fois dessus, pour le moment c'était en avril 2020. Ouais, avril 2020. Et mon chéri avait commandé des bégonias dessus. Oui. Et donc Astrida, Griffon, Inès, Irenneus, tout ce qu'il y a dans la chambre en fait. Et je n'ai eu que des bonnes expériences avec eux. Les livraisons ont été rapides et efficaces. C'était bien emballé. Je n'ai pas eu reçu de produits détériorés, cassés ou... Voilà, c'est juste qu'elles sont mortes après parce que je m'en suis pas bien occupé. Mais ça, c'est ma faute. Je leur ai demandé leur aval avant de pouvoir faire cette vidéo, bien évidemment. Ça me semble logique. Et du coup, je vais te le faire découvrir de suite. Alors, voilà le site internet. Quand on tape Odnik, comme tu vois marqué ici, c'est marqué... du coup, on tombe, pardon, sur le site... Tu vois, en plus, je l'ai déjà connecté. Donc, on tombe sur ça. Alors, en premier, tu peux voir, il y a les catégories ici. Il y a aussi les promotions. Enfin, les promotions. Des offres, en tout cas. Je crois qu'il y en a trois. La bannière, elle va défiler. Si tu appuies sur la petite flèche ici ou là. Là, c'est les jasmins. Là, c'est les hibiscus. Là, c'est les plumeria. Ou frangipanier, si je ne me trompe pas. Et en bas... Si on descend, il y a une sélection, voilà, de plantes. Oh, le Orphéaphox, il est dans ma wishlist. Ensuite, si on continue à descendre, il y a des offres, comme tu peux les voir. Voilà, faut juste savoir lire en fait, pour le moment. Après, il y a encore des offres, enfin des promotions, des nouveautés. Par exemple, pour les promotions, tu peux voir que c'est des offres spéciales Brugmansia, c'est-à-dire qu'à mon avis, c'est un pack avec plusieurs plantes dedans, qui sont déjà en promo, puisqu'à la base, au lieu de 56 euros, elles passent à 52,80. Voilà, c'est des petites réductions qui font du bien au moral et au portefeuille. Pff, vraiment, j'ai fait le coiffeur, ça n'a plus. Ensuite, bon là, c'est juste une pub, et en dessous, tu as les catégories qu'on va retrouver juste après. Ici, tu as l'adresse, mail. Ou l'adresse postale. Et comme tu peux voir, c'est un site français. Alors, revenons à nos moutons. Donc, si je clique sur nouveauté, normalement, la page va pas trop changer. Si. Si tu cliques sur nouveauté, à mon avis, c'est les nouveaux produits que le site a mis à disposition. Donc, il y en a 48. Il y a un peu de tout. Voilà. Il n'y a pas que des plantes d'intérieur. Il y en a un petit peu, mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout beaucoup de plantes d'extérieur. Des arbres, des arbustes, de tout. Donc là, tu vois, tu as de la pivoine, tu as de la misère, tu as du solanum, tu as du coléus, encore du coléus. Pas mal de coléus d'ailleurs. Voyons, il y a quoi? Des hibiscus, des impatiens, encore du coléus. Ils sont vraiment beaux. Bon, pour les passionnés de coléus, allez-y. Et comme tu peux voir, le prix est pas excessif. Tu vois, 7,50 €. Alors, c'est le prix tel quel. Après, il faut rajouter les frais de port. Et je crois pas qu'il soit beaucoup non plus, hein, qu'il soit trop élevé. Pas dans ma mémoire en tout cas. Mais quand on commande sur internet, il vaut mieux faire une bonne commande. Dans tous les cas, tu vas pas commander juste un coléus, tu vois. Enfin, après, si tu veux un coléus, voilà, tu prends un coléus. Donc, ensuite, pour les promotions qu'il y a en deuxième page. Donc, c'est comme les packs tout à l'heure. Précédemment cité. Donc là, c'est des spéciales bougainvilliers. Bon, j'ai pas réussi. Là, c'est des brugmansia, là aussi. Là, c'est des hibiscus. Pareil ici, avec des variétés un petit peu originales. Là, c'est du jasmin, etc., etc. Avec des packs, toujours avec des prix réduits. Le catalogue, on y reviendra après. C'est ce qui nous intéresse. Me connecter, pas besoin parce que je le suis déjà. Donc après, tu peux te créer ton compte. Et quand tu te crées ton compte et que tu as déjà commandé, si jamais c'est le cas, tu dois connaître. Si jamais c'est pas le cas, tu as du coup tes informations, ton adresse et l'historique de tes commandes. Alors moi, je n'ai commandé qu'une fois pour le moment. Mais j'avais commandé le bégonia Benito Shiba qui est mort. RIP petit bégon. Le bégonia Little Brother Montgomery qui avait explosé et puis les chenilles, les cochenilles, elles l'ont très malmené.
Donc du coup, il est presque mort. Je suis dégoûté. Mais si jamais, je les rachèterai les deux. Donc tu vois, la commande, ben, je l'ai passée le 3 avril 2020. Et du coup, là, j'ai la facture. Voilà, donc c'est toujours chouette si jamais il y a besoin de se retrouver pour je ne sais quelle raison. Bref. Et là, tu peux les contacter s'il y a besoin. Alors, catalogue, c'est ce qui nous intéresse le plus, hein. Tu as 1049 références. Voilà, ça va des plantes d'orangerie, plantes grimpantes, agrumes, hibiscus, brugmansia, plantes rustiques, retombantes, cactées, plantes grasses, bégonias de collection. Des engrais, des offres spéciales, donc c'est les packs que je t'ai dit, brugmansia, bougainvillée, etc. Et les plantes parfumées. Alors tu peux les classer soit par ordre alphabétique, de A à Z ou de Z à A, par prix, croissant ou décroissant, ou par la pertinence. Alors pertinence, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Donc tous les produits sont affichés tels quels, avec une photo caractéristique, on peut voir, et le prix correspondant au produit. Alors si des fois tu as deux images, c'est parce qu'il y a un prix qui est plus gros, parce que ben, le sujet est plus gros, tu t'en doutes. Et à chaque fois tu cliques sur le détail, par exemple on va cliquer sur le Brugmansia sanguinea, on clique sur voir détail, et là du coup il y a une description sommaire, et si on descend, il y a un tout petit peu plus de précision quand même. Et si on va dans le détail du produit, ah bon, mais il n'y a rien. Bon, en gros, les détails du produit sont en dessous dans la description. Voilà. Après, s'il y a besoin de plus de renseignements, tu regardes sur internet, hein, tu t'embêtes pas. Précédente. Voilà. Alors, catalogue. On va commencer, voyons, par les plantes grasses. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ça, donc c'est parti. Donc, voilà, je vais les classer par ordre alphabétique. Ça veut bien me prendre en compte, ce serait sympa. Et logiquement, ça ne devrait pas tarder. Voilà, c'est bon. Alors, tu as beaucoup, beaucoup de références. Alors, tu n'as pas toutes les références, bien évidemment, sinon il y aurait des millions et des millions de plantes. Ce serait trop bien. Mais tu as quand même énormément de références. Je pense notamment à un carène pour les épiphyllums. Je sais que tu adores ça si tu regardes la vidéo. Tu as beaucoup de variétés ici présentes. Le harlequin, elle est magnifique. Et tu vois que les prix sont pas excessifs. C'est 8,50 € pour les épiphyllums. Voyons ce qu'il y a d'autre. Calancoé, ben, des Grimontiana, les Aworsia, 8,50 €. En moyenne, les plantes grasses, ça a l'air d'être 8,50 €. À part des produits un petit peu plus pointus ou spécifiques qui sont, je pense, un petit peu plus onéreux. Mais sinon, je pense qu'il y a vraiment moyen de te faire plaisir. Ensuite, voyons les plantes parfumées. Toujours classées par ordre alphabétique. Il y en a plein que je connais pas. Bohinia. La fleur est sympa. Ce qui est bien aussi, c'est que par exemple, pour la commande que j'avais faite, j'avais demandé aussi un Jacobinia carnea. La couleur, c'était rose clair, me semble-t-il, ils en avaient plus, ou alors la plante était trop faible pour faire des boutures, ou le blanc, peut-être j'avais demandé, je sais plus. Un des deux. Et en fait, la plante était trop fragile ou peut-être pas prête à fournir des boutures. Donc, du coup, ils m'ont dit, ben voilà, cette plante, elle n'est pas disponible encore, donc voilà, on peut changer sans problème. Donc, du coup, voilà, ils préviennent quand même s'il y a un souci par rapport à une plante ou un produit, que tu puisses soit, enlever ce produit de la commande, auquel cas tu n'en seras pas débité, soit tu changes voilà, pour autre chose. Mais c'est bien qu'ils préviennent avant de finaliser la commande. Ensuite, du coup, j'en étais où? Ça, c'est les produits parfumés. C'est vrai que ça sent trop bon. J'en ai un Brugmansia, mais faudrait que j'en prenne un peu plus soin. Mais faudrait que je le rempote. Mais bon, à force de rempoter, j'aurai pas de place, quoi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de Brugmansia en fait, je suis en train de voir. Je savais qu'il y en avait beaucoup, mais alors ce point-là. Ah, du Buddleia, dans l'arbre papillon. Ah, le orange, il est sympa. Brunfelsia. J'ai encore beaucoup à apprendre, hein. C'est bien parce qu'en même temps, on connaît des. Enfin, on apprend des variétés et tout, c'est trop bien, je trouve. Des agrumes.
Encore des agrumes, ça me fait penser au travail. Encore et toujours des agrumes! Il y a combien d'agrumes en vrai? Un citron, une orange, ça suffit. Une orange, pardon. Bon, on va aller à la fin voir. Du jasmin, ok. Donc voilà, si tu veux un jardin center original, fais-toi plaisir, quoi. Ensuite, du coup, on va aller au... Oui, je ne résiste pas plus. On va au bégonia. Non, je veux pas les plantes partout. Reste sur bégonia. Rien que mon sourire déjà, ça veut tout dire. Alors, c'est ici que je trouve et que mon mec a trouvé les bégonias pour moi. Alors, comme tu vois, les boutures, elles sont pas excessives. 9,90. Tu vois, c'est pas énorme. Alors, voilà, moi je les ai reçues. Les boutures, elles faisaient déjà cette taille-là. En moyenne, elles faisaient les 10 cm. C'était vachement bien emballé. Je précise, c'était vachement bien emballé. La poste ou je sais plus le livreur, je sais plus quel truc c'était. Mais ça n'avait pas été malmené. En même temps, j'avais vu le camion, j'avais couru après et enfin, voilà, dans la rue et en bas de chez moi. Et du coup, vu qu'il livrait d'autres personnes, ben, je suis allé dès qu'il a ouvert le camion, j'étais là. Il est où mon cadeau? Il est où mon cadeau? Il est où mon cadeau? Un psychopathe, je te le dis, je suis un psychopathe. D'ailleurs, si vous êtes un dirigeant de Haudnick, sachez que vos bégonias vont très bien. À part le Benito Shiba et le Little Brother Montgomery, pardon, qui est en train un peu de monter légèrement vers le ciel. Faut dire ce qui est. Dans l'ensemble, ça va. Alors. Donc, c'est lui que je veux recommander. Non, ça marche pas. C'est lui. Il me manque. Alors, lui, je l'ai. Il va très bien. Lui, je l'ai. Il va. Coussi coussa. Mi-cochon, mi-dinde. Il est pas. Pas ouf. Enfin, il va aller mieux, mais bon. Faut qu'il se remette. Oula, le bégonia, Anna Christine. Donc, voilà. Si tu es fan de bégonia, il y a moyen de te faire bien plaisir. Le Caroline eifolia, il est là. Je ne l'ai pas. Il me le faut. Donc voilà, t'as plein, 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 plein de bégonias. Je ne vais pas faire que la catégorie bégonia, ne t'inquiète pas. Donc voilà, tu as toutes les... Enfin, pas tous, mais tu as plein de coloris, tu as plein de feuillages différents, tu as plein de couleurs de fleurs ou de feuillages justement, de formes. Tu vois les basiques, les Semper Florens et tout, là je suis pas fan de ça là, mais. Oh, le diadème. Et je crois que tous les bégonias sont à 9,90, il me semble. Voyons ce qu'il y a en plante grimpante, tiens. Antigonon. Par contre, les botanistes, les noms, donnez-en qui font un peu plus rêver que Antigonum. Bougainvillier, bougainvillier, bougainvillier. Ah ouais, je me souviens, il y avait énormément de bougainvillier. Ah ouais, je vais la page 3 direct, moi, je suis un fou. Clérodendron, ok. Encore des bougains. Chonemorpha ou Conemorpha? Donc il y a vraiment tout un panel, je le dis tout au long de la vidéo, rien à faire. Il y a vraiment tout un panel. Il y a du hoya. Ouh! Alors Karen, il y a énormément de hoya. Alors peut-être que tu en as la plupart. Alors les hoya, c'est un petit peu plus cher. Ils sont en moyenne à 12 euros, à part les gros sujets qui peuvent être à 32,20 €. Oula, je savais pas qu'il y avait autant de hoya. Je pense qu'il y en a que tu n'as pas, Karen, donc vas-y, fais-toi plaisir.
Voyons, est-ce qu'il y a d'autres plantes d'intérieur? Là, c'est du jasmin. Il n'y a pas vraiment de plantes d'intérieur. Ouais. Je sais qu'il y a de la monstera. Juste la classique, la toute verte. Pardon. Il n'y a pas la taille constellation, l'albo, etc. Je crois pas en tout cas. Mais. Putain, regarde-moi ce muscle là. Pff, ridicule, c'est du flan le truc. Ça va pas. La passiflore. Pas mal. Oh, il y a de jolies variétés. Je découvre en même temps que toi, peut-être. On va pas faire toutes les pages parce que sinon on en a pour 2 jours et demi, mais Plumbago, 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 go go. Pas de moucheron, c'est bon. Tout à l'heure il y a un moucheron dans mon café, c'est pour ça. Putain, j'ai failli l'avoir. Moucheron. J'ai raté. Solandra, tête de tigre. T'auras reconnu, j'espère, une tête de tigre. Non? Fort Boyard? Ils ont tellement d'arrêtés que franchement. C'est aussi ça qui me plaît sur le site, c'est qu'il n'y a pas que de la plante intérieure, mais tu peux aussi agrémenter ton jardin pour pas trop cher. Pour pas trop cher, franchement. Enfin, à mon sens. Voilà, attention. Tout le monde ne peut pas mettre par exemple 12,80 € dans un. Moucheron! Je l'ai eu ou pas? Ça devait être. Ah, cette séquence, je me suis éclaté en plus. Tout le monde ne peut pas mettre par exemple 12,80 € dans un jasmin, je ne sais pas. Donc voilà. Alors je peux pas faire toutes les catégories comme je t'ai dit parce que sinon ça sortirait pas. Conditions de vente, voyons, ça va être intéressant. Il y a beaucoup à lire par contre. Alors, nous expédions les commandes tout au long de l'année. Ça, c'est bien. La majorité de nos plantes sont expédiées en général en godet, diamètre 6, 7 ou 9, 7, 8 ou 9. Ce qui leur permet de voyager en bonne sécurité, la plupart étant à croissance rapide. D'autres sont livrées à un pot de 1 à 7 litres 5, suivant les besoins particuliers à chaque variété. Les commandes sont expédiées en général dans les 30 jours maximum qui suivent la réception. Elles seront différées en cas de force majeure, gel important, grève postale, etc. Ou pandémie peut-être. Peut-être qu'il y a eu un impact, je ne sais pas. Les plantes expédiées peuvent aisément supporter plusieurs jours de transport. Toutefois, afin de leur conserver leur fraîcheur d'origine, nous les emballons le jour de l'expédition. Ça, je me souviens, il m'en avait parlé dans le mail. Et les envoyons systématiquement par transporteur ou colissimo suivi pour tout colis jusqu'à 30 kg. Si tu commandes 30 kg, mon gars En hiver et début de printemps, les plantes sont livrées en repos hivernal. C'est vrai. Ça a été le cas pour plusieurs de mes bégonias, je ne sais plus exactement lesquels, mais je me souviens qu'il y avait marqué en plus l'étiquette repos hivernal. Nous expédions les plantes vivantes et pour leur sécurité, nos expéditions, pardon, se font seulement le lundi, sauf date de fermeture, pour les commandes enregistrées la semaine précédente, jusqu'au lundi inclus. Alors, si tu commandes entre un lundi et vendredi, ils expédient le lundi d'après, si j'ai bien compris, c'est ça, oui. Pour une livraison en 24-48 heures? Je me souvenais pas que ça avait été aussi rapide. Pardon. Je me souvenais pas que ça avait été aussi rapide, tu vois. Je me souviens que maintenant que je viens de lire ça, ça avait été très rapide. Je me souvenais pas que c'était 24-48 heures. Je pense que c'était un petit peu plus long, peut-être. Parce qu'il y avait sûrement un souci ou autre, je ne sais pas. Mais voilà, au moins ça c'est bien. Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire. La garantie de reprise n'est pas couverte car elle dépend des soins donnés à l'arrivée et d'autres facteurs échappant à notre contrôle.
n'est un ni maître des souhaits, ni de la plantation, ni du climat, mais nous restons à votre disposition pour tout conseil. Ça, c'est bien. Vérifiez au moment de la réception l'état de la qualité de votre colis en procédant en présence du livreur à l'ouverture de tout carton. Ouais, le mec, il en aurait eu marre, je pensais, si j'avais sorti tous les bégonias, toutes les plantes et tout. Il aurait vu un teubé avec larmes aux yeux, avec des plantes dans les mains, tu sais, il se serait dit, oula, lui, il n'est pas fini. Il aurait tellement raison. Annulation de commande. Ah! On peut voir les serres. Ouais, voilà, c'est pas à Toulouse le truc, c'est dommage. Donc ça, c'est chouette. Bon, l'annulation de commande est visiblement possible. Ah, c'est par lettre recommandée. Alors, port et emballage, transporteur de Colissimo. France métropolitaine, 14,50 €. Faut payer 14,50 € de frais de port? Ah ouais. Bon, après, voilà, si tu commandes 7 ou 8 plantes, enfin une bonne commande, voilà, faut payer les frais de port. Je me souviens, alors je ne connais pas les autres sites, voir si c'est aussi élevé ou pas. Je sais pas du tout. Ma seule expérience a été sur ce site, je te le répète. De toute façon, vu comment je veux les bégonias, je pense que je peux lâcher 14,50 €. Enfin, moi, titre personnel, toujours, je précise. Pour la livraison. Pas d'expédition vers les Dom Tom. Ça, c'est pas. Ok. Suite au problème de délai de livraison. Trop long. Ok. Règlement total, alors par chèque. Bancaire ou postal, carte bancaire. Et en cas de plantes épuisées ou manquantes, nous les remplaçons par des variétés les plus approchantes, sauf avis contraire de votre part, ou suivant votre préférence, nous vous remboursons par chèque. Ok. Confidentialité, voyons ce qu'il y a dedans. Confidentialité. Ok. Oui, donc là, en gros, ils veulent. Il précise qu'il garde secret en gros les informations qui te concernent quoi. Les informations que tu leur as fournies. Donc voilà. Pour conclure cette vidéo, ce site internet, il est pour moi au top. Peut-être qu'il y en a d'autres, je ne les connais pas d'ailleurs. Donnez-moi des sites internet en commentaire. Comme ça, je ferai des revues comme je viens de faire actuellement pour ce site-là. Avec l'accord toujours du site, des gérants du site. En tout cas, j'espère que ça t'a fait découvrir un site internet et que ça t'a plu, que ça t'a peut-être donné envie d'acheter ou que ça t'a juste donné au moins des idées. Pour plus d'informations, éventuellement, pour des informations que je n'ai pas dit dans la vidéo, qui te sembleraient importantes, tu peux toujours envoyer un mail ou les appeler. Voilà. Le mail, c'est contact@odnic.com. Je vais te mettre l'adresse dans la description. Et puis voilà quoi. J'espère que vous serez nombreux à commander. Non, parce que vraiment j'ai adoré. Enfin, personnellement j'ai adoré. Après voilà. Si tu as déjà commandé sur ce site, dis-moi d'ailleurs ton expérience. Ce serait intéressant de le savoir. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Et en attendant, moi je vais regarder les bégonias. Puisqu'il y en a déjà au moins deux que je veux. Tu es au courant, je l'ai dit tout à l'heure. Alors je vais pas les acheter de suite. Parce que d'abord je veux en donner des plantes avant de les récupérer. Mais voilà, sur ce, je te laisse, je te check, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, à la semaine prochaine en fait quoi. Ciao!